On est dimanche avec Manu Roudier au festival Au-delà du Dragon pour la Casus-TV. Et Manu Roudier, il me semble que tu as quelque chose à nous annoncer. Une belle annonce dont tu es un petit peu au courant, il me semble. Bah je crois, ouais. Donc l'annonce, c'est la sortie bientôt de la deuxième version de Wurm. La deuxième édition de Wurm avec Black Book Edition. Voilà. D'accord, ça sera avec Black Book Edition. Ah, mais par exemple. Eh ben voilà, très bien, c'est la grande nouvelle. C'est la grande nouvelle. Du coup, tu travailles sur cette deuxième édition depuis combien de temps? Alors, ça fait déjà 6 mois à peu près. Ouais. Et là, je suis en train de formaliser les règles. La nouvelle version des règles qui est assez proche de la version d'origine, très proche, on va dire même, mais améliorée encore. D'accord. Avec plus de un peu plus simple, avec plus de possibilités. Et un univers un peu plus fouillé encore. D'accord. Voilà. Super. Et ça fait. Ta communauté est au courant déjà que tu travailles sur cette deuxième édition? Ouais, depuis longtemps. Communauté. Alors les oui, les intimes. Les intimes, ouais. D'accord. Les gens qui suivent Wurm d'un peu près, ils commencent à avoir quelques infos qu'on a laissé filtrer petit à petit. T'en avais pas trop parlé. Pas trop. Et du coup, par contre, toute l'équipe avec qui on travaille, on est une quinzaine de personnes. On a fait plein de playtests et tous ces gens-là sont déjà au courant que ça va faire une belle version là. D'accord, ouais. Super. Alors, j'imagine que tu auras l'occasion de revenir en parler, que ce soit dans les pages de Casus, sur la Casus TV ou. Carrément, ouais, parce que du coup c'est Black Book. Ouais, parce qu'on a en projet plus que le jeu de base. Ça va être upgradé encore. Ouais. Ok, super. Un beau programme. Bon bah merci Manu. Ça se passe bien le festival ici sinon. Super, ouais, des dédicaces à tour de bras. Ouais, sur du Barbarians of Lemuria, du Colonel Gothique. Oui, on a interrogé. J'ai perdu son prénom. Arnaud, bien sûr. Hier, il y a aussi des beaux projets qui passeront après Wurm là pour le coup. D'accord. C'est prioritaire là, le prochain projet qui sort. Pour moi. De toute façon, en tout cas. Tu fais plein de choses. On essaye. Eh ben, c'est super. T'écris même sur d'autres jeux. Oui. Surtout en fait le truc qui est légèrement parallèle à Wurm, c'est la suite d'une de mes histoires en bande dessinée qui était Vouna. Ouais. Et je sors la suite dans un univers qui est très Wurm. Mais en roman, c'est une trilogie de romans qui va sortir chez Bragelonne. D'accord. Voilà. Dis donc, fallait aller au bout de l'interview. Ouais, bien sûr. Okay. Eh bien, écoute, merci Manu. Puis avec à très plaisir, bientôt. Avec plaisir.